Axel risque une élimination ce samedi 9 décembre, à l'occasion d'un nouveau prime de la Star Academy 2023. Mais Noël approche, et cette soirée était donc pleine de surprises. Une d'entre elles le concernait. Axel était très attendu ce soir, pour un nouveau prime de la Star Academy 2023. Car il fait partie des élèves qui risquent une élimination, avec Margot et Candice, qui ont déjà vécu cette situation depuis le début de l'aventure. Il devait chanter ce soir le blues du businessman de la comédie musicale de Starmania. Un morceau auquel il a du mal à s'identifier, reconnaissait-il lors de la quotidienne. La chanson ne me parle pas du tout. Pour la professeure Cécile Chaduteau, même si les paroles ne lui parlent pas, il faut qu'il trouve un autre axe pour le prime. Si est-ce ce qu'elle avait en tout cas expliqué à l'élève. La pression était donc maximum pour Axel, visiblement pas à l'aise à l'idée d'interpréter ce titre. Et pourtant, il s'en est sorti à merveille, lui qui, rappelons-le, faisait jusqu'ici un sans faute dans l'aventure et faisait même partie des favoris pour la victoire finale. Il a largement été applaudi par le public après sa prestation. Une très belle performance, suivie d'une très belle surprise que Nikos Aliagas lui avait réservée. Après avoir fait monter sur scène la sœur de Djibril quelques minutes plus tôt, l'animateur a invité tous les frères et sœurs d'Axel à faire de même. De quoi profondément toucher Axel, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Après un gros câlin collectif avec ses proches. Si est-il super sympa d'être venu alors qu'Axel est nommé. Si est-il aussi ça être une famille, être là à la fois dans la joie et dans les petites épreuves de la vie, scène est une pour lui, merci d'être là, a souligné Nikos. Ça me fait plaisir. Parce que si je l'ai fait, intégrer l'aventure, si est-il pour moi mais aussi pour eux. Je veux leur montrer qu'on peut vivre dans la galère toute sa vie mais quand on se bat, ça paie. Je veux être un exemple pour eux, a répondu Axel, en pleurs, alors qu'il venait quelques instants plus tôt d'expliquer à l'animateur qu'il s'est longtemps battu contre un problème de confiance en soi. Une séquence très émouvante.